Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Bonsoir, pendant la période de Ramadan, Casport vous propose 25 minutes d'actualité sportive tout en images, suivie d'une diffusion exclusive d'un événement sportif. Ce soir, nous allons parler de football féminin avec le tournoi de futsal UNSS et le rassemblement de la sélection féminine U17. L'Euro 2016 a commencé et à Mayotte, c'est aussi un événement. On reviendra également sur le match France-Roumanie en présence d'un invité, Hakim Saïdou. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, bien. Et vous? Très bien. Alors, ce match des Bleus, passionnant. Oui, mais très, très passionnant. On reviendra dessus après et on reviendra également sur les tournois Ramadan. Casport fera tout au long de ce mois des reportages de tournois Ramadan. Ce week-end, nous étions à Mtsapere et à Kahani. Puis, en seconde partie, vous retrouverez la diffusion en intégralité du match de la finale de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien de rugby qui se déroulait à Madagascar. C'était le Racing Club de Petite Terre face à l'équipe de Majenga. Tout de suite, ouvrons cette page d'actualité sportive avec le football féminin qui organisait ce mercredi, dans le cadre de l'UNSS, la finale futsal au gymnase de Cavani. Le collège de Mtsamboro l'a emporté chez les Benjamines et le collège de Passamenti chez les Minimes. Cette action a également permis de repérer les filles qui pourraient potentiellement intégrer la section sportive football féminin qui s'ouvrira prochainement au collège de Dembéni avec 11 places disponibles. Suivra le reportage sur le rassemblement de la sélection féminine U17 qui s'est déroulé à Chikoni dimanche matin. Retour en images avec deux Nzena Studio. Je suis une fille qui vient du Nord, qui est du collège de Mtsamboro. Je suis en 5e. Aujourd'hui, on est venu ici pour représenter notre collège, pour montrer aussi que le foot n'est pas réservé qu'aux garçons, mais c'est aussi un sport pour les filles. Ça nous a plu de participer avec les autres et pouvoir gagner cette coupe aujourd'hui. Il faut écouter son cœur pour bien progresser et pas écouter les autres s'ils nous disent de laisser le foot. C'est notre choix. On est très contente de nous aujourd'hui. On est fiers. On a démarré l'activité futsal féminin au mois de septembre. On n'est pas forcément beaucoup licencié au début, mais petit à petit, ça a pris. Et du coup, là, on a l'équipe qui a fait le tournoi. On avait quelques équipes sur le district Est. On a fini première du district Est. On a fait la journée aujourd'hui. C'était très, très serré avec Mtsamboro. Ah bah, ça me fait très plaisir de pouvoir amener des filles et de pouvoir faire découvrir l'activité du foot à des filles et qu'elles puissent pratiquer également et surtout en fait de venir ici. Parce qu'en fait, quand elles sont rentrées ici dans le gymnase, elles font « Mais monsieur, on joue ici ?» Et je leur dis « Bah oui, les filles, l'activité du foot en salle, c'est dans une salle. » Je pense que c'est une activité qui leur plaît et je pense qu'elles vont poursuivre par la suite. Après, là, on a des minimes, donc elles sont en 4e, il y a quelques 3e. Mais je pense qu'il y a des 5e aussi, mais je pense que oui, elles vont poursuivre l'activité l'an prochain. Un conseil ? Bah, ce serait de s'accrocher, de continuer, de persévérer. Elles ont déjà un très bon niveau, elles pourront que progresser. Qu'elles dépassent les clichés de croire que le foot c'est réservé uniquement aux garçons et qu'elles acceptent de jouer au foot également. On le voit qu'il y a beaucoup de filles qui se disent qu'ils peuvent pas s'intégrer dans le football, qui sont mal acceptées par les garçons. Mais au final, quand elles jouent entre elles, elles s'amusent beaucoup et c'est l'essentiel. Bravo! Ramadan, qui l'a pas fait? Qui l'a fait? Encore une fois, en fait, comme vous voulez, quand on s'entraîne, on va le faire. Avec l'équipe de France, ils ne feront pas.
courir d'entraînement, on l'avait dit, donc ça a été clair, hein, on ne peut pas. Si vous faites des efforts là, sans rien avoir mangé, sans rien avoir bu, d'abord vous allez faire un mauvais test, et en plus vous risquez de vous être en danger. C'est, on commence les entraînements de la sélection des filles U17 qui vont participer au tournoi CJCOI qui aura lieu au mois de fin juillet, début août à Tana. Et progression. Donc je vous ai mis ici un atelier. Là, il y aura les attaquantes. Et de l'autre côté aussi, il y aura des attaquantes comme il y aura des défenseuses. Et puis au milieu de terrain, bien sûr, ce sera les milieux. Tenez-vous rapidement. Je me suis battue. Je me suis entraînée durement au club et j'ai tout donné. Il faut avoir l'esprit d'équipe, s'attendre bien entre nous et surtout... Il n'y a personne devant toi, il n'y a personne qui t'empêche de jouer, tu joues. D'accord ? Avance avec ton ballon et cherche des solutions. Et la solution, ce n'est pas obligatoirement au milieu de terrain. Si tu vois que Nathalie est toute seule, ben tu lui donnes directement, il n'y a pas de souci. On y va. Ben, je dois montrer que je suis capable de mieux faire. Parce que la première fois que je suis venue, j'étais un peu stressée. J'ai raté mes contrôles. Mais là, je me suis habituée et ça va. Ben, en fait, avant, je ne connaissais pas. Mais grâce à cette sélection, on peut dire que... On est une famille en fait. Grâce à cette sélection, on peut aller représenter Mayotte à travers l'océan Indien ou à travers la France. Top, on va essayer de maintenant, celles qui sont au milieu, vous pouvez aller aider les attaquantes. Ok ? Allez. L'Euro 2016 crée aussi l'événement à Mayotte. Plusieurs communes de Mayotte participent au dispositif Tous Prêts Euro 2016. Mis en place par la Fédération Française de Football, relayée à Mayotte par la Ligue Mahoraise de Football. C'est ainsi qu'une délégation de 85 jeunes footballeurs et dirigeants s'est préparée pour partir vendredi direction l'Euro 2016 en métropole. Un reportage signé de Enzena Studio. Avant le grand départ pour la métropole, la mairie de Mamoudzou a invité sa délégation à recevoir officiellement les tenues fabriquées spécialement pour l'événement. Ce fut également l'occasion d'expliquer l'intérêt pour Mamoudzou de participer à ce dispositif. On écoute le directeur de jeunesse et sport de la mairie au micro de Nourdine Abdourahim. On a voulu amener ces jeunes justement parce qu'on compte ici créer une école communale de sport et puis qu'on ait... une sélection dans chaque discipline des sports pratiqués dans la commune de Mamoudzou. Donc c'est dans un premier temps, on les amène voir la Coupe d'Europe de football et le championnat d'Europe de football. Et puis peut-être que demain, ça sera un championnat de basket et d'autres disciplines. En attendant la concrétisation de ces projets sportifs ambitieux, les jeunes qui sont partis à Lille pour assister au match Allemagne-Ukraine sont conscients de la chance qu'ils ont à l'image de cette passionnée de foot. Je ne peux même pas vous exprimer parce que c'est une grande chance. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut y aller. L'Euro 2016, je peux même dire que c'est comme la Coupe du Monde. Pas aller jusqu'à là, mais c'est une grande chance. Beaucoup d'entre nous rêveraient d'y aller. Aujourd'hui, la commune de Mamoudzou nous offre cette chance d'y aller, de regarder, de participer. Et moi, je les remercie encore beaucoup. Et je suis très contente. Comme Mamoudzou, Mzoazia Chikoni et Mzamboro ont préparé l'événement avec leur délégation, en portant fièrement les couleurs de leur commune. Vendredi 10 juin, à l'aéroport de Mayotte, tous les groupes étaient présents pour le grand départ, en présence du directeur de jeunesse et des sports et de la cohésion sociale de la préfecture de Mayotte qui a contribué au financement du voyage. Revivez ces moments en images. La Réunion métropole. Vous allez venir m'aider. On part en France pour aller regarder l'Euro 2016 avec d'autres élèves de la classe 4e et 3e. Je suis sélectionné pour être le journaliste de la section foot.
On est venu avec 14 filles U16 de l'équipe Azo Esport de Chicony pour les emmener découvrir ce que c'est que le football, l'événement autour de l'Euro 2016. Donc on a répondu à l'appel à projet Tous Prêts 2016 justement pour pouvoir bénéficier de la prestation et pouvoir emmener nos filles aller voir le match Ukraine-Allemagne. Donc pourquoi ces filles-là? Parce qu'on a eu un projet donc, dans notre association de valoriser le football féminin. Donc on a un club qui est exclusivement féminin et puis des petits, des garçons qui ont de 8 au senior. Tu as souhaité s'associer à l'organisation de cet événement de deux sortes. D'une part, pour faire en sorte que la population française participe véritablement à cet événement et donc à proposer que les villages, les associations puissent s'associer en organisant des manifestations locales. Et c'est ce qui a été fait sur Mayotte. Une très très grande manifestation sportive mondiale, après les Jeux Olympiques et après la Coupe du Monde de football, c'est la plus grande manifestation. Et cette année, c'est la France qui a l'honneur d'organiser cet Euro 2016 du 10 juin au 12 juillet. Donc très vite, l'État a souhaité s'associer à ce grand événement sportif et a pris d'emblée 20 000 places pour pouvoir offrir à un certain nombre de jeunes la chance de participer, d'assister à un des matchs de cet Euro. Parmi ces 20 000 places, 1000 étaient réservées au département d'outre-mer et pour ce qui concerne Mayotte, 85 places étaient réservées. Donc c'est une initiative qui a été prise donc par l'État pour pouvoir associer le plus de monde possible et le plus de jeunes possible à cet événement. Nous allons maintenant parler de l'Euro 2016 avec l'entrée en lice des Bleus, nos Bleus, qui ont livré un match de très bonne facture, une belle victoire face à la Roumanie. Hakim? Alors, très très joli match. Non, je dirais pas ça. Je dirais juste merci Payet. Je dirais pas très beau match parce que s'il marque pas à la 80e minute, je crois qu'aujourd'hui, tu sais, on est 60 millions d'entraîneurs en France. Aujourd'hui, on demanderait tous la tête à Deschamps. Très beau match, non, ça n'a pas été un très très beau match. On a eu vraiment la chance. Aujourd'hui, on est content. Payet a marqué, on est tous contents, on a gagné. Mais le match a été laborieux du côté des Français. Par rapport au match de préparation, c'était pas un bon match de l'équipe de France. Mais moi, je trouve que effectivement, on peut revenir sur ce match, sur les détails, dire qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles, notamment de la part de joueurs comme Pogba, qui n'était pas au niveau attendu. Mais sinon, dans l'ensemble, face à une équipe roumaine qui avait un bloc défensif très solide, très compact, un mur difficile à contourner, je pense que, enfin, c'est mon avis après, mais je pense que les Bleus se sont plutôt bien débrouillés. On était quand même pas mal au milieu, et c'est vrai que Payet a donné du fil à retordre à l'adversaire. Pas mal au milieu, à la fin, il a sorti quand même Pogba qui joue à la Juventus de Turin, Pogba qui doit être le futur Zidane, entre guillemets, il le sort. Ça veut dire que ça n'a pas été, et ça s'est vu. Pogba, il était à la ramasse. Comme l'ensemble de tout le monde. Il y a Griezmann aussi. Griezmann mais Griezmann qui est sorti aussi. Lessivé après une saison très difficile. Voilà, mais tout à fait. Mais pourquoi il a sorti Pogba et Griezmann? C'est pour dire aux autres, voilà, vous êtes entre guillemets les stars de l'équipe, je vous sors. Et vous les autres, faites attention parce que c'est lui qui ne va pas bien, je le sors pareil. Et il a sorti ces deux stars-là. Et après, ça a redynamisé l'équipe. Parce qu'il faut savoir qu'ils étaient vraiment à la ramasse. Griezmann qui a joué avec l'Atlético Madrid la finale de la Champions League, il était vraiment à la ramasse. Mais comme l'ensemble de l'équipe, moi j'ai vu Adil Rami qui a dit qu'ils étaient, il y avait la pression, c'était la folie, la joie au Stade de France, on est content, mais quelque part ils avaient la pression quand même. Donc c'est pour ça. On va voir le prochain match qui se joue mercredi, comment ils vont se comporter. Mais ce match-là, franchement, si on n'avait pas gagné, c'était un match que j'ai qualifié de vraiment très très nul. Quoi. Très très nul.
Bah, décidément, nous n'avons pas le même point de vue. Non, mais par rapport au match de préparation, moi je dis non, ça n'a pas été. Quoi, oui, ça mais après, il y a voir le verre à moitié plein et le voir à moitié vide. Voilà, alors est-ce que là, votre position, c'est parce que voilà, Cocorico, vous êtes français, Chauvin, vous avez gagné, vous avez envie d'effacer tous les défauts qu'il y a eu, ou c'est parce que vous avez vraiment regardé le match en fond? Et moi, jusqu'au but de Dimitri Payet, j'étais là, je dis non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ils vont devoir relever la tête au prochain match? Parce que pour moi, c'était un partout. Hein. On s'accordera donc sur le fait que cette équipe est perfectible. Il y a bien sûr des points à améliorer, mais on a une base solide, on a de quoi être, oui, confiant pour la suite, voilà, la suite de ce. Quand on regarde vraiment l'équipe de France, c'est la défense qui fait un peu peur. C'est la défense qui fait elle peur. Elle a été décimée aussi pendant les matchs de préparation, Hakim. On a perdu du monde quand même. Oui, on ceux a perdu qui sont là du n'étaient monde. Pas forcément là au départ. Tout à fait. Rami, il est arrivé vraiment à la dernière minute. La préparation, il n'en a pas connu avec ses coéquipiers. Mais voilà, Rami, il a gagné quand même avec Séville. Je sais pas, il a gagné la Coupe de l'UEFA. Il joue dans un grand club. Il devrait tout de suite. Il a l'expérience. Il a joué déjà en équipe de France. Il connaît quelques sélections. Donc, quand il y a l'expérience, on ne doit pas être. Même si on a raté quelques préparations, on doit être tout de suite pouvoir rentrer dans le bain. De toute façon, je pense que c'est en ça qu'il va falloir compter sur le professionnalisme du sélectionneur, Monsieur Deschamps, qui, à mon avis, va régler ces quelques détails. Et c'est, à mon moi, avis, j'ai on juste aura, envie de on dire une équipe ultra compétitive. Moi, j'ai juste envie de dire prochain match face à l'Albanie. Ouais, prochain match face à l'Albanie le mercredi. Et attention, parce que les deux dernières fois qu'on a joué face à cette équipe, on n'a jamais gagné. Ah, c'est ben, très très dur à jouer. Tout à fait. C'est un peu du même calibre. Alors, que la Roumanie. Il y a l'avantage, le match va se jouer à Marseille, au Vélodrome. Il y a l'avantage de quoi? C'est juste que Loïc Sanna, le capitaine de l'Albanie, qui a été expulsé lors du match contre la Suisse, et il sera pas là. C'est le moteur de cette équipe. C'est le moteur, c'est le capitaine. Lui qui a joué longtemps à Marseille, il aurait aimé être là pour montrer au public marseillais qu'il est revenu et capable de battre la France. Donc il sera pas là. C'est le capitaine, c'est le moteur. Donc c'est peut-être un avantage pour l'équipe de France. Voilà. Donc, mais après, j'espère que contre l'Albanie, on n'aura pas besoin que de Payet. Que de Payet, comme ça a été le cas pour les autres matchs. Allez. Je vous propose maintenant de visualiser les tableaux des résultats de cette compétition. Les tableaux qui vont apparaître à l'écran. Alors, on voit donc dans le groupe A, le match Albanie-Suisse. La Suisse donc qui s'impose face à l'Albanie, futur adversaire des Bleus. Dans le groupe B, les Pays de Galles de Barrett Gall s'imposent 2-1 face à la Slovaquie. Avec un but de Gall, justement. Ouais. Un très, très joli but. Hein. Et le match Angleterre-Russie, 1-1. Un match qui apparemment risque d'être revu sur le plan comptable par l'UEFA en raison des événements qu'il y a eu. Ensuite, groupe D, la Turquie a perdu 1-0 face à la Croatie. La Pologne s'impose 1-0 face à l'Irlande du Nord. Et l'Allemagne, logique vainqueur de l'Ukraine, 2-0. Alors, la logique a été respectée, Hakim, sur l'ensemble des matchs? Oui, sur l'ensemble des matchs, oui. Moi, j'étais un peu étonné de l'égalisation des Russes contre l'Angleterre. Je comprends pas. C'était à la 92e. Toute fin de match. Hein, ouais. Toute fin de match, hein. Comment la défense peut se trouver ainsi? Le gardien, c'est une passoire. Et comment il peut se trouver comme ça? Le match est fini, ils prennent un but, mais vraiment très, très, très évitable. Ben, je pense qu'on arrive à la fin du match, on se relâche, on a un excès de confiance, on pense que les autres sont usés, puis faut être inattention, et à ce niveau-là, ça se paye cash. Voilà, les Russes, ils sont revenus, et puis ça fait un partout. Ouais, et donc une compétition qui, pour le moment, s'annonce très, 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 très belle. Et vos pronostics, donc, pour le match France-Albanie? France-Albanie? Ah, hey, Cocorico, la France va gagner. Hein? Combien? Un score? Un score, je vais dire 3-0. Et les buteurs? Hein? Il y a le public qui est là. Non, mais 3-0, sérieux.
Non, mais là, je pense qu'ils sont, ils sont relâchés. La confiance est venue après cette victoire contre la Roumanie. Ouais, ils vont gagner. Ils vont gagner. Merci Hakim d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci. Et on se dit à très bientôt. Oui, à très bientôt. Pour une nouvelle analyse des matchs de 7 Euro 2016. Ce week-end, Casport est allé à la rencontre d'associations sportives ou de collectifs de jeunes qui organisent des tournois Ramadan. Le sport est en effet très associé et présent pendant cette période hors des enjeux des championnats officiels. Direction Tsapéré pour le basket et Kahani pour le handball. Des images signées de Nzena Studio. Alors, ce tournoi existe, ça fait plus d'une dizaine d'années. Et les conditions pour pouvoir jouer, il faut déjà être licencié au club de basket club de Mtsapéré ou non licencié. Et cette année, on a mis un règlement disant que les étrangers, c'est-à-dire les gens qui jouent dans d'autres clubs, qu'on n'a qu'un droit par équipe dans le match. Et ça se passe, c'est une poule unique, on a 9 équipes, tout le monde rencontre tout le monde et les 8 premiers du classement seront qualifiés pour les quarts de finale et puis les éliminatoires quoi. C'est un groupe d'amis. Il y a le bureau de Mtsapéré, il y a le bureau de Cavani. En fait, comme on est assez nombreux au bureau, donc on a constitué 2 équipes en fait. Ah. Et ce tournoi, ça va durer combien de temps? Vous êtes là jusqu'à la fin, là, je suppose? C'est par élimination ou comment ça se passe? Tout d'abord, c'est d'abord par un championnat. Après, il y aura les éliminatoires. Ça prend tout le Ramadan, en fait. La finale, ça sera le jour de l'Eid. C'est la convivialité après les jeunes, se retrouver ensemble, discuter, partager un moment de bonheur. Et il y a des équipes des jeunes qui jouent au foot, qui sont là juste pour jouer au basket. Et ça, c'est juste pour mettre de l'ambiance dans le tournoi. Ce que nous on fait aujourd'hui, ce que nous on fait, si vous avez vu, c'est du hand, on va dire adapté, parce que on a voulu mettre en avant les filles du village, les femmes, parce que très souvent durant le mois de Ramadan, il y a que des manifestations généralement, il y a que des manifestations pour les hommes. On a voulu faire avec le moyen qu'on a une manifestation pour les filles, pour que les filles puissent aussi pratiquer, pour aussi avoir leur finale le jour J, et pour ne serait-ce déjà pour le sport, pour le corps, qu'ils puissent déjà se donner à fond, que ce soit pas que réservé qu'aux hommes. Le NBA de Ramadan, c'était une idée qui nous est venue depuis quelques années. De base, déjà, on voulait faire un truc pour les filles, mais on n'avait pas cette idée-là. De base, on organise, nous, on est des danseurs, on fait ce qu'on appelle du break. On a fait le break Ramadan. On s'est dit pourquoi ne pas donner aux autres la même chance de pouvoir s'exposer, en tout cas, se montrer auprès du village, simplement. Et ça, c'est organisé entièrement par l'association Listels, qui est basé, qui est spécialisé de la danse, mais on s'est dit il faut qu'on puisse donner aussi aux villageois notre expérience, notre envie de partager tout simplement. Ça reste le principal sport accepté, bien aimé, populaire, parce que c'est pas comme le foot où c'est très technique, mais là les gens qui jouent savent pas bien jouer, et du coup les gens ils arrivent à comprendre, ils arrivent aussi à s'identifier. Et comme ça fait partie aussi des quartiers, donc chacun vient encourager son quartier pour pouvoir arriver en finale. Nous allons maintenant parler de ballon ovale pour finir notre rendez-vous hebdomadaire sportif. Casport vous propose la diffusion de la grande finale de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien avec le Racing Club de Petite Terre
qui a remporté face à l'équipe de Majenga en juin dernier le trophée des champions. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, même jour, même heure, même chaîne. Bye bye. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.